Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur du Minecraft. Alors ça fait 2 mois que j'ai pas publié de vidéo. Alors j'ai décidé de vous reprendre un peu aujourd'hui, hein, bon comme ça on va s'amuser. Alors les principales raisons pour lesquelles je n'ai pas été actif, c'est pendant 8 semaines. C'est pas forcément un manque de temps, parce que effectivement les cours ont repris. Mais j'aurais très bien eu le temps hein, de faire des petites vidéos, surtout pour le peu de travail que je fais dessus. Donc on va aller sur iPixel, tiens, pour commencer. C'est pas vraiment un problème de temps, c'est plus un problème d'inspiration. Effectivement, Alors je vous ai sorti 2 épisodes du guide sur les blocs de commande en début septembre. Mais après ça, je n'ai vraiment pas eu plus aucune idée. Ce qui fait que vous n'avez rien eu. Alors j'ai quelques idées, hein. Je pense notamment faire la troisième version de Witchcraft Insomnia quand elle sortira. Donc là, je n'ai pas du tout de date, hein. Le créateur de cette carte n'a pas communiqué de. Bon, on va aller faire du Quakecraft, tiens, pour commencer. Alors oui, ça c'est le nouveau jeu. Crop and Crimes, donc Cop and Crimes. Je vais peut-être pas le f... Je pense que je vais pas le faire celui-là. On va plutôt aller sur du Quakecraft. Si je le retrouve. Je me suis même pas. Si j'ai dû venir, mais pas beaucoup hein, sur ce serveur. Alors oui, en plus c'est Halloween aujourd'hui, donc bon, forcément. Le serveur s'est mis au parfum. Alors, il y a de l'orage en plus. On va peut-être... ouais, ça on va le réduire parce que... On va avoir des petits problèmes. Ouais, hop. Bon, donc on va aller sur... C'est quand même bien fait la décoration, hein. On va aller sur du Quakecraft. Hop, c'est bon. J'espère que, ouais, niveau FPS, hein, ça a l'air bon. Alors, même ici, tiens, il y a un pigman. Alors, bon. Alors, le Quakecraft, c'est pareil, je vais être assez rouillé. Hein, on va voir ce que ça donne. On va aller sur la sirop. Tiens, c'est d'ailleurs la première que j'avais faite. Et on va voir où j'en suis, hein. Je vais certainement pas être brillant. Ça marche plus, ça. D'accord, bon. Avant, ça nous propulsait. Ok, bon, c'est pas grave. Bon alors c'est parti. Alors en plus j'ai changé de souris donc ça va rien arranger. Allez. Tellement longtemps. Hop. Alors pour information, le jeu Quakecraft, je m'y suis mis. Je l'ai découvert en toute fin décembre 2013. Bon, ça fait presque un an. Et en un an, j'ai pas forcément... Enfin, en un an. En 10 mois, j'ai pas forcément acquis un niveau extraordinaire. Mais bon, hein, le principe, c'est... Enfin, le but, c'est de se détendre. Donc on va faire un peu de Quakecraft et puis après on basculera sur autre chose. Hop. Surtout que j'ai un peu de latence, je crois. Donc c'est assez gênant. Enfin, la latence. Ouais, pas vraiment. Oh oui, c'est moi qui l'ai eu, d'accord. Ah, c'est bon, ça remarche.
Donc oui, comme future vidéo, comme je l'ai dit, donc bah peut-être la Witchcraft, on va dire 3. Une carte qui n'est pas encore sortie. Donc c'est voilà, le créateur de cartes, c'est Eliseo. Hein. Bah, il a déjà fait les Witchcraft 1 et 2. Bon, vous devez sûrement connaître. Enfin, que vous devez sûrement connaître surtout la Witchcraft Insomnia, hein, parce que Pierre a fait une série dessus. Et donc, bah, je pensais faire la 3, donc bon, mais comme je vous l'ai dit, je n'ai aucune date de sortie, hein, donc on verra bien. Sinon, bah, le programme pour novembre-décembre, je ne sais pas. Si j'ai des idées, hein, je pourrais faire des petites vidéos de temps en temps. Mais bon, je n'en ai pas eu ces 2 mois, les 2 mois qui viennent de passer là, donc bon, faut pas trop y compter. Bah surtout que en ce moment on n'a pas de snapshot, hein, bah ça fait des idées en moins. Parce que les snapshots, bah, malgré tout, c'est quand même un sujet facile, quoi, on va dire. Alors, j'ai peut-être enlevé le, non, non j'ai pas le FOV, je pense. C'est pareil, Minecraft j'ai pas joué beaucoup, hein. Donc voilà, tant pis, on va faire un score assez petit, mais là on est là pour s'amuser. En parlant de Minecraft, donc oui, hein, on a appris en septembre, je crois, ouais, en septembre, le rachat de Mojang par Microsoft. Personnellement, je ne l'ai pas vraiment pris comme une bonne nouvelle. Je suis loin d'être le seul. Bon, on verra bien ce que ça donne. Oh bah, il y aura sûrement des points positifs, hein, bon. Mais c'est un peu dommage quand même. Enfin bon, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas de... Alors oui, j'ai gagné 10 pièces. Donc c'est multiplié par 2, apparemment, aujourd'hui. Ouais. Donc pour l'instant, on n'a pas de snapshot, en tout cas. Donc bon, ça, c'est pas bien dramatique. Hein. Bon. On vient d'avoir une très grosse mise à jour, là, 1.8. Enfin, on vient d'avoir, ça fait 2 mois maintenant. Bon, pour la 1.9, je sais même plus ce qui est prévu, d'ailleurs. Bon. Bref, on va passer sur un autre jeu. Pour rester dans les classiques, du TNT Run peut-être. Ouais, Cop and Crimes, ça me dit pas grand-chose. Hein. Je le ferai peut-être plus tard dans une autre vidéo. Hein, comme ça me fera un but. Mais pas aujourd'hui. Donc, on va faire un TNT. Ah oui, d'accord. On va faire un TNT Run. Mais ça a changé ici, tiens, le truc, l'arène. Enfin, le lobby. Ah oui, je crois qu'on l'avait déjà vu, ça c'est... maintenant on choisit le jeu, il y a un panneau par jeu. Ce qui est assez pratique. Sur celui-là. Alors après on est réparti automatiquement en fait. Hein, enfin, il existe plusieurs parties pour chaque jeu. Puis on est... Ouais, on est placé automatiquement dans les arènes. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Après, c'est peut-être plus compliqué pour les joueurs qui veulent, enfin, qui veulent jouer ensemble. Mais il y a toujours le système d'amis et d'invitations que je n'ai jamais vraiment expérimenté pour ma part. Bon. On va voir si on est toujours bon au TNT Run. Enfin, toujours bon. On l'a jamais vraiment été, mais bon. Alors, on est sur une arène plutôt grande à 12 joueurs, donc ça devrait durer assez longtemps. Je ne sais pas du tout combien il y a de couches. Oh bah, je l'ai déjà joué celle-là, hein, mais bon, mes souvenirs sont... ne sont pas précis. Oh merde.
Oh, j'ai failli tomber. Rester sur les bords, c'est pas forcément une bonne idée. Et ouais, apparemment on gagne bien 2 pièces à chaque fois. Pourtant j'ai pas vu l'annonce Double Coins Weekend. Enfin, quoi qu'on est vendredi aujourd'hui, mais bon. Moi je sais pas, il doit y avoir un bonus. Peut-être pour Halloween, hein, j'en sais rien. Oups, oula. Ouais, je me rappelle plus des commandes. Essayez, j'arrête de courir. Bon, pour l'instant, on s'en sort pas trop mal non plus, hein. Je suis quoi sur la deuxième couche, hein, et puis on n'est plus cuite. On va pas parler trop vite, voilà. Oups, allez, demi-tour, c'est pas une bonne idée. Voilà, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo assez longue, hein. On va vraiment varier les. Et ben voilà. On va varier les plaisirs. Je vais peut-être faire un TNT run, oui, puis après on fera autre chose. Non, c'est là. On va pas perdre de temps. Parce que je comptais. Oh zut. Je me fais toujours avoir ici. Parce que je comptais même aller sur d'autres serveurs après. Donc. Alors. C'est par là. Il me semble que la B de mémoire, c'était. Ah, quoique. Non, c'est la A, la petite. Voilà. On va faire une petite. Ici, on est 12. Sinon, comme actualité par rapport à l'univers de Minecraft, hein, en dehors du rachat par Microsoft, rien de spécial en fait. Hein, donc bah oui, comme je l'ai dit, pour l'instant on n'a pas de snapshot. On a par contre les préversions de la merde, les préversions de la 1.8.1. Je sais plus vraiment ce qu'elle apporte, la 1.8.1. J'ai pas vraiment pris le temps d'étudier. Mais bon. En tout cas, ça prouve que le jeu n'est pas abandonné. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, on verra bien, hein, ce que ça donnera. On va pas trop spéculer, mais bon, hein, je reste assez pessimiste là-dessus. Oula. Oh zut. Ouais bah je suis plus habitué à faire des vidéos, du coup il y aura peut-être des moments de silence, donc c'est pas bien grave, hein. Bon, on va passer à un autre jeu. Alors regardez, tiens, je vais aller voir, j'en profiter pour voir dans les arcade games s'il y a des nouveautés. Voilà, attends que je les retrouve. Oui, c'est là. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux jeux? Parce qu'il me semble qu'on avait vu des jeux indiqués comme ouvrant prochainement. Ouais bah c'est le UHC Blitz, d'ailleurs il est toujours en coming soon, hein, depuis on l'avait déjà vu. Bon, on va se refaire un. Un Party Games, un 2 peut-être, parce que le 2 on l'a fait moins souvent. Le 2, il est là. Voilà, donc on va se refaire un party game. Tiens, on est 16 là. Je pensais que c'était. On était que 8 pour celui-là. Bon. Très bien. Alors, bon, je risque encore d'être assez
être assez rouillé, hein, j'ai pas joué depuis 2 mois. Mais bon, c'est pas grave. Donc oui, là, cette semaine, hein, la semaine en cours, la semaine 44, c'est mon unique semaine pour les vacances d'automne. J'aurai 2 semaines à Noël, mais bon, encore une fois, hein, je ne sais pas si j'aurai assez d'idées pour les vidéos, donc on verra bien. Donc ouais, vous en aurez peut-être quelques-unes pendant les fêtes, mais c'est sous réserve que je trouve des sujets, hein, c'est comme toujours, hein. Le temps n'est pas forcément un problème, c'est surtout l'inspiration. Parce que bon, mes journées sont relativement, enfin, sont très chargées, surtout en début de semaine. Mais bon, après, c'est pas long, hein, faire une vidéo, surtout pour ce que je fais moi. Comme je ne fais pas un gros travail dessus, bon, c'est pas long à faire. Hein. Lab Escape, putain. Ah bah oui, ce fameux jeu. Allez, on y va. Tiens, j'aurais plutôt utilisé les touches, en fait, c'est plus simple. Les touches numérotées, hein, pour changer l'outil. J'ai jamais pensé. Merde. J'ai jamais pensé. Mais ça peut être pratique. Oula. Si j'ai de la latence, ça va pas le faire. Je le dis tout de suite. 3, 1, 3, 2, 1. Il pourrait faire un truc encore plus salaud, ce serait de modifier, enfin de changer régulièrement l'ordre des outils dans l'inventaire. Ce serait vraiment perfide. Bon, il y en a qui sont déjà arrivés, je me demande comment ils font quand même. Bon, avec l'habitude, hein, il faut s'entraîner beaucoup. Et d'ailleurs, pour en parlant de ça, je regrette, hein, qu'on ne puisse pas choisir les jeux un par un. Parce que ça pourrait vraiment être sympa, bah voilà, le podium est déjà établi. Donc, bah ouais, j'étais assez loin, hein, du but. Alors, c'est parti pour ce fameux jeu, le Shooting Range. Ouais, non, ça y est, je me rappelle maintenant, on est bien 16 à celui-là. Parce que le classement, ça me dit quelque chose. Donc on va essayer de les toucher, ouais, c'est bon. De toute façon, moi, la rapidité, hein, c'est pas un de mes points forts. Vous l'aurez peut-être remarqué. On va essayer de l'avoir sur en armure. Ça rapporte beaucoup plus. Ok, j'ai combien de points? Ouais, 4. Avec ça. Surtout que j'ai pas encore beaucoup joué à Minecraft avec ma nouvelle souris, donc donc ça n'arrange rien. Ouais, bah voilà. Bon. Je suis clairement meilleur au 1, hein. Enfin, au... Ah oui, ce fameux jeu, j'aime bien aussi celui-là. Au Party Games 1, hein, que j'ai déjà remporté 2 fois, il me semble. Bon, alors c'est parti. Il lui faut un Gold Helmet. Pour essayer d'être efficace. Donc ce jeu-là, pour rappel, il suffit de prendre avec un clic gauche les blocs. On peut les faire cuire instantanément. Hop. Et il n'y a plus qu'à faire le truc. Alors, avec la nouvelle souris, c'est une horreur pour... Mais n'importe quoi. Quand je vous dis que je suis rouillé. Avec la nouvelle souris, c'est une horreur par contre pour aller vite avec la table de craft. Alors un four maintenant. Il m'en faut 8. Ouais, il suffit d'aller là. Ah putain, ça c'est horrible. Faudrait que je règle la sensibilité ou un truc dans le genre. Un diamond chestplate.
Il m'en faut 8. Oh, ça va pas tarder à se terminer, je pense. C'est horrible. Iron Helmet. Ah, ça y est, il y en a déjà un qui a gagné. Allez, il m'en faut un cinquième. Fais cuire tout ça. Allez. Helmet. Oui, c'est bien le casque. Hop, bon, de toute façon, c'est trop tard. Alors, ce... Ah oui, ce fameux jeu aussi, oui. Highground. Alors, le but, c'est tout simplement de s'éjecter mutuellement du plateau. Je rappelle les règles brièvement à chaque fois, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi mes... les premières vidéos que j'ai faites sur ces jeux. Ouais, j'espère d'ailleurs que cette fois-ci, j'aurai pas de problème technique, parce que c'est vrai que les problèmes se sont accumulés. Des problèmes d'encodage, particulier, enfin, spécial, notamment, je veux dire. Je vais peut-être réduire un peu le son, d'ailleurs. C'est pratique. Oh bah non, oh non. Ah, quoique. Ouais bon ça. Allez, on reprend, on va essayer de pas avoir trop de retard. Ouais donc en fait on gagne des points en restant dans... Pour gagner des points, il suffit de rester dans la zone. Dans la zone rouge. Bon bah pour l'instant je n'ai gagné aucune étoile. Ce qui n'est pas très étonnant, hein, bon. Alors. Alors oui, ça c'est le fameux jeu avec les anneaux et les poulets. Le son est un peu... Comment dire? Oula. Dès qu'on prend de la vitesse là-dedans, on est foutu, hein. Enfin, c'est le bordel, quoi. Le son est un peu nasillard, oui, voilà, c'est le mot que je cherchais. J'espère que ça s'entendra pas trop, et bon, raté. J'ai combien de FPS? 20? Ouais, c'est bon. Non mais là-dedans, faut que de toute façon la vitesse en 3D c'est toujours un peu le... Ah, c'est un peu chiant à gérer quoi. Bon. Ouais bah voilà, c'est terminé. Je vais essayer quand même d'obtenir quelques étoiles. La course de chevaux maintenant. Très bien, c'est parti. Alors oui, encore une fois, on risque d'entendre le clavier et tout, hein. Parce que je ne compte pas faire d'investissement particulier dans un matériel quelconque, que ce soit audio ou autre. Donc voilà, c'est assez artisanal, hein. On entend le bruit du clavier, bon tant pis. Et peut-être même quelques échos. Non, 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 ça devrait pas. Alors, est-ce qu'on est... Ouais, on est quatrième, hein. Ouais, alors, ça... il faudrait que je m'entraîne d'ailleurs avec les chevaux à entamer le saut avant d'arriver devant la barrière. Parce que ça me fait perdre un temps fou. C'est par là? Non, oui, c'est par là. Oui, c'est bon. Premier tour est fait. Donc voilà, il faudrait entamer les sauts avant d'arriver devant. Sans même s'arrêter d'ailleurs, il doit y avoir moyen. Je suis pas un pro du cheval. Bon, néanmoins, je suis quand même encore troisième. Hein. Ouais, faut faire comme ça. Oui. Donc on est quand même obligé de s'arrêter au moment de sauter. Il me semblait qu'on pouvait ne pas s'arrêter. Bon, enfin, c'est pas grave.
Très bien. Bon, deuxième tour, bah plus qu'un, hein. On n'entend pas grand-chose, hein. Finalement, enfin, j'ai laissé le son, pas la musique, parce que c'est gênant, pas pour les vidéos. Un deuxième, allez, on va essayer de rester deuxième, voire de passer premier, ça pourrait être sympa. Ah bah non, ce sera pas possible, car le premier a gagné. Donc le deuxième dans les restants. Enfin, le premier dans les restants, je veux dire. Ouais, donc je suis troisième, d'accord. Bon, bah au moins, je ne... mon score ne sera pas 2-0, voilà. Bon, alors oui, c'est le fameux jeu où il faut bouffer l'herbe. Ah bah, c'est là que le son peut être gênant. Tant pis, je vais laisser le son, hein, je vais parler un peu plus fort. Parce que j'ai la flemme de le changer, tout simplement. J'ai l'impression de ramer un peu. Ouais. On va réduire la distance de rendu. Hein. Après. Voilà, donc le but, hein, c'est de manger le plus d'herbe possible. Putain, c'est quoi encore ce bruit? Je ne suis pas dans le classement, ce qui est une, enfin, ce qui était prévu de toute façon. Le pig joosting. Ouais, alors ces jeux-là. Il faut se battre, hein, tout simplement. Oh, alors les bruits de souris, vous devez les entendre aussi, ça doit pas être agréable. Mais encore une fois, ce que je fais, c'est artisanal, hein, bon. Et ben voilà. Ah oui, d'ailleurs, ils ont changé le menu de la liste des joueurs, c'est assez sympa. Bien. Et ben voilà, c'est déjà fini. Et ben du coup, il n'y aura pas eu de deathmatch. Ah oui, bah ben, ce jeu-là, c'est le jeu que je n'avais pas particulièrement apprécié, qui consiste à lancer des cochons, tout simplement. Lancer des cochons explosifs. Voilà, et qu'en plus ça... Ouais, alors. On va peut-être mettre 7 seulement ici. Puis... Ouais, non, le son, c'est pas la peine de le réduire. C'était pour le jeu avec l'herbe. Parce que là, c'est pas gênant. Bon. Enfin, cela dit, ouais, j'espère que le son sera pas trop fort, parce qu'avec les bruits d'explosion... ça peut être gênant. Enfin, 10%, bon, après, on va plus rien entendre. Bon, j'ai des petites latences, parce que le compte à rebours en haut, il est assez saccadé. Donc ouais, je dois avoir de la latence. Gênant. Alors pour marquer des points, bah faut toucher à mon avis, faut toucher à mon avis les autres joueurs. Ah, ça me semble assez évident. Toujours rien. Bon, on va essayer de prendre celui-là par surprise. Ah bah c'est bon, je l'ai eu, d'accord. Bon, un point. Non, c'est pas moi qui l'ai eu.
Ou les bruits sont saccadés aussi. Bon, bah on va arriver au pigout, enfin au pigout. Hop. Bon alors, le bombardement, hein, oui c'est vrai. Ouais bah c'est le fameux jeu où on a un demi-cœur et où il faut éviter les bombes. Alors Eh merde. Oh bah non, ça c'est con. Hein. Voilà, je me suis déplacé. Enfin, j'ai couru bêtement et puis je suis tombé à l'eau, ce qui est une mauvaise chose. Bon, c'est pas grave. On va en profiter pour aller se balader, tiens. Oh bah ça y est, c'est déjà fini, d'accord. Bah voilà, c'est fini. Bah bravo aux gagnants. Moi, ma place, bah je dois être dernier ou avant-dernier. Ouais, alors, comme je l'avais déjà remarqué, on gagne du karma à chaque fois qu'on dit GG. Mais je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Enfin, peut-être dans le magasin, en fait. Je sais pas, il y a un truc qui pourrait s'acheter avec le karma. Dans le shop ou dans le Vanity Shop aussi peut-être. Ah oui d'accord, ça c'est pour échanger les crédits entre les différents jeux, ça peut être sympa. Hein. Ça c'est à voir. On va passer sur un autre serveur. Hein. Ouais, ça c'est le. Non, c'est pas le Vanity Shop ça. Bon. Avant il y avait un Vanity Shop. Oui bah il existe toujours, voilà. Bon, alors est-ce qu'on va passer sur un autre serveur, je pense. Je regarde juste. Ouais. On va peut-être se refaire du Blitz, tiens, avant. Allez. Puis ouais, au niveau des jeux, on verra. Alors, ouais, non, c'est assez sombre. Hein. Tiens, City. Allez. Alors on est 24 hein, ici. Oula, j'étais dans le noir. D'accord. Bon, je devais être dans sa tête. Bon, on va essayer de se faire un bon blitz. Alors celui-là, si. Ah, j'ai déjà dû le faire, le City. Bon bah c'est pas grave. Hein. Alors, kit. Oui, alors les kits, est-ce que ça a changé les kits? Alors, il y en a qu'il faut débloquer avant. On va reprendre le... Ah, sympa, tiens. Ah bah, on va prendre celui... Ouais, c'est vrai, enfin... En fait, non, il va pas forcément nous servir, parce que la vitesse, c'est... Oh, putain. Bon, bah, j'ai raté le départ. La vitesse, c'est surtout au début qu'on en a besoin. Après, bon... Enfin, si, peut-être, mais dans une moindre mesure. Tiens, on va se priver. Et puis on va se sauver surtout. Alors oui, au début on a besoin de vitesse, bah justement pour s'enfuir. Après, ça peut servir, mais pour les courses-poursuites éventuellement. En tout cas, bien foutu la ville. Hein. Donc j'ai qu'une hache en bois pour me battre. C'est pas terrible, terrible. Ah oui, ok, il y a déjà des morts, ça rigole pas. Bon. Pour l'instant, j'aimerais autant ne croiser personne. Ah, c'est sympa ici, c'est le métro. Et merde, je prends des dégâts. Je suppose qu'on peut pas vraiment s'enfoncer. Non. Ah bah j'ai eu mes potions de vitesse. Très bien.
Alors, il y a quoi là-bas? Ça serait bien de trouver des coffres. Bah, en parlant de coffres, voilà. J'ai une épée, c'est toujours mieux. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait là-dedans? Voilà. Hop. Tiens, ce serait bien de pouvoir faire cuire la bouffe aussi. Ah oui, on est plus que 12, d'accord, ça rigole pas. Bon, ah bah, y a un coffre là, à mon avis il a été pris, hein. Ah non, même pas. Oh putain, et bah voilà. Bon bah voilà, j'ai été pris par derrière. Bah écoutez, cette partie aurait été rapide, hein. On est déjà plus que... Oui d'accord, on était plus cuite. Bon, on va passer sur un autre serveur. Je pense au serveur OCTC. Ah non, attendez, c'était pas... Non, c'était pas OCTC, OCTC, c'est... AIVMC pour se faire un petit block party. Donc, on va y aller. Hop. Alors, AIVMC. Alors, d'ailleurs, j'avais même pas tout essayé encore. Le Splague, je l'avais fait. Il y a peut-être des nouveaux jeux, hein. Identique. One in the Chamber. Ouais. J'aurais peut-être intérêt à les essayer hors caméra avant de le faire en vidéo. Quoique, bon, ça peut toujours être sympa, hein, de découvrir ensemble. Bloc... Bon, allez, on va se faire un petit bloc party, hein. Bon, c'est ce que j'avais prévu. Tiens, on va aller plus vite, hop. Alors, non, c'est pas là. Bloc pas... Ah, non, on peut pas la joindre. Allez, sur celui-là. Bah alors... Non. Ah si, enfin. Très bien. D'ailleurs, je rectifie ce que j'avais pu dire par rapport à l'IP du serveur IVMC. En fait, moi, je suis sur IVMC.eu. Hein. C'est le serveur européen. J'avais donné l'adresse IP play.ivmc.com qui doit marcher aussi. Hein. Il me semble que moi, c'est... Bah, je vais vérifier, tiens. Je peux vérifier dans le menu. C'est ivmc.eu. Voilà. Donc voilà, on va se refaire un petit bloc party. Donc encore une fois, j'en ai pas fait depuis... Ah, le bloc party, il me semble que je suis revenu entre-temps. Mais pas... Si, j'y ai rejoué de mon côté. Mais j'ai pas tourné. Bon, eh ben on va pouvoir commencer. On est... ouais. On met le nombre. Hein. Alors évidemment, je ne vais pas activer la musique hein, parce que je suis en vidéo. Voilà, donc c'est parti. Light blue, bah... Ah oui, non. Oh. Ce serait bête de commencer comme ça. Donc voilà, pour rappel des règles, le but c'est d'aller sur la plateforme... Enfin, sur une des plateformes qui porte la couleur du bloc que l'on a dans l'inventaire. D'ailleurs, ça a été amélioré, il y a des petits textes en plus. Et puis, si on n'arrive pas à temps sur la bonne couleur, ben, on est éliminé, tout simplement. Alors, les grandes zones, c'est bien, mais quand on est loin... Voilà. Et à chaque fois, oula. Et à chaque fois, le temps dont on dispose pour se rendre sur la bonne plateforme est réduit de d'une demi-seconde. Oh putain. Oula, j'ai failli tomber dans le trou central, ça aurait été un peu bête. Ah, j'ai des frises. Je vais essayer de corriger ça, tiens. Puis on va passer en 6. Hop. Ah bah, c'est encore. Purple, oui, c'est bon, c'est celle-là, hein. Il y a vraiment des couleurs qui se ressemblent.
Et surtout avec les blocs d'argile renforcés. Parce que la laine, les couleurs sont beaucoup plus vives. Et donc plus facilement différenciables. Bon, orange. Tiens, il y en a un là. Donc oui, je pose le bloc à chaque fois, hein, parce que le temps qu'il apparaisse, enfin le temps où il reste visible, ça permet de comparer la couleur pour vérifier qu'on est bien sur la bonne. Oh putain, j'ai des... Donc bah voilà, ça commence vraiment à devenir critique, hein, on n'a plus que 3 secondes maintenant. Jaune, ah bah il y en a un là. Il faut bien apprendre à regarder. Oula. Il faut bien apprendre à regarder autour de soi. Donc on n'est plus que deux. Oh putain, c'est bon, c'est la bonne. On n'est plus que deux, donc je vais faire un petit duel. Ça, non. C'est pas pour moi. Et bah voilà, j'ai pas eu le temps de me rendre sur le magenta. Bon bah voilà, donc je vais dire en GG. Hein. Donc voilà, la partie est finie. Attendez, c'est qui a gagné? C'est lui, hein? Ouais. Ouais, c'est Polanski. Très bien. Donc, pour la IVMC, je vais peut-être en refaire un, oui. Un petit IVMC. On va aller au DP6. Celui-là. Ben non. Allez, hop. Putain, j'ai de la latence ici, hein. C'est particulièrement chiant. Ok, d'accord. Intéressant les règles. Hein. invalid book tag. Alors ça c'est. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont. Je sais pas si c'était signalé. Bon, enfin, en tout cas, c'est intéressant hein, comme bouquin. Je m'en délecte. Bon, on va arrêter les conneries. J'en suis à combien de temps? Mais 42 minutes déjà. 42, justement. Allez. C'est quoi ça? Ouais, c'est des trucs à débloquer encore. Allez, c'est parti. Tiens, c'est une musique de Minecraft, ça. Oh là 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 là, j'ai de la... et merde, ah oui, non, c'est bon. J'ai des petits ralentissements, c'est des pics de... des pics, quoi. Donc c'est vraiment gênant, hein. C'est chiant, surtout. Ouais, j'ai du pic, ouais. Pink. Ah non, je suis jamais... Eh putain, c'est pas le bon. Ouf. On est déjà plus cuite. Oh, encore du pink. Hop. J'ai tendance à confondre avec le magenta. C'est vraiment deux couleurs qui se confondent très facilement, hein. Alors du grey. J'espère que c'est la bonne, oui, c'est bon. Surtout que c'est le grey, je crois que c'est la couleur du fond en plus. Ouais, ben bon, là ça va, c'est pas trop compliqué. Et on gagne 2 ou 4. Ah non, un seul token par Et merde. Et ben voilà. Raté. On gagne un seul token maintenant par joueur éliminé. Avant c'était deux. Donc voilà, ils ont un peu serré la vis à ce niveau-là. Bon, c'est pas très grave. Allez, on va se refaire un dernier, puis après on ira ailleurs. Par ailleurs, dans... Parmi les futures vidéos que je compte tourner,
Je ferai peut-être quelques vidéos, pas forcément débat, mais des vidéos sur des sujets particuliers, où je vous parle de quelque chose, un sujet qui me tient à cœur, hein, pendant à cœur justement, un sujet qui me tient à cœur, oui, pendant 10-20 minutes quoi, ou plus, voilà, c'est sur des sujets d'actualité ou pas forcément, ou d'autres. Des sujets de société, enfin sur, c'est un peu ce que je fais déjà sur Twitter. Donc pour ceux qui, bon, qui seraient intéressés, hein, je, voilà. Donc quand j'ai envie de m'exprimer sur un sujet, bah, je ferai peut-être une vidéo dessus. De même que je compte aussi. Enfin, je tiens actuellement un site où je publie des documents en vrac. Donc en fait, c'est pas un site mappé. Enfin, c'est un nom de domaine qui me sert à publier en vrac, hein, du contenu. Donc, enfin, il y a plusieurs rubriques, mais c'est pas un site. Merde. C'est pas un site classique quoi, c'est des catégories, mais il peut très bien n'y avoir aucun lien entre les différentes pages. Et merde, c'est pas la bonne. Eh ben non. Bon, bah voilà, j'ai encore échoué. Alors, on va s'en refaire un. Hop. Alors, note Jumble. Mais enfin, de toute façon, tout ça, je vous tiendrai au courant sur Twitter, hein, bien entendu, où je, d'ailleurs, je vous remettrai un lien dans la description, où où j'annonce déjà la publication de toutes mes vidéos, ainsi que la publication d'articles, parfois, enfin, d'articles, si j'écris sur un sujet précis sur mon site, je donnerai le lien sur Twitter. Et puis voilà, donc je vous invite cordialement à venir prendre connaissance de mes activités. Voilà. On va dire ça de cette manière. Alors, est-ce que c'est les mêmes? Non, je sais pas, j'ai pas trop repéré. Alors, j'ai point 339 à droite. Alors ça, en fait, c'est tout simplement le nombre de joueurs que j'ai éliminés en tout. Enfin, que j'ai éliminé, pas forcément moi, mais le nombre de joueurs que j'ai vu passer devant moi, en gros. Enfin, ou plutôt derrière. C'est-à-dire ceux qui, au cours des différentes parties, ont été éliminés avant moi. Donc en tout, ça ferait 339. C'est plutôt cohérent, sachant que j'ai plus de 500 tokens. Et avant, c'était un token pour deux éliminations. Non, deux tokens pour une élimination, je veux dire. Bref, oui, donc c'est assez cohérent. Très bien, donc on va s'en refaire une. C'est assez sympa la déco là-bas. Je devrais peut-être remettre au petit find, tiens, d'ailleurs. Ouais, il faut aussi que je vérifie pour l'adresse IP. Savoir si c'est play.avmc.eu, hein, je crois que c'est ça, mais je vais vérifier. Toute façon, je vous la mettrai dans la description. Allez, on va essayer de se concentrer. Alors, Lucian, non. C'est pas ça. Oula! Allez, d'accord. Ça fait mal. Ça devait être un dur, hein, celui-là. Du coup, on va recommencer, hein. Tant qu'à faire. Là, c'était un dur. Hein. Peut-être aller là-bas. Allez. Il y en a 30, vous voyez, 30 arènes, donc ça va, il y a de quoi faire. Le compte à rebours est un peu long, mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà pour les vidéos discussion, réflexion, débat.
Enfin, même si débat, bon, étant donné que je suis tout seul, enfin, à moins que je fasse, que j'organise des débats avec d'autres personnes, ça pourrait être sympa. Après, il faut trouver les sujets, bien entendu, puis les personnes. Mais ouais, des vidéos de débat. Pourquoi pas faire des débats? C'est pas impossible. Ça peut être envisageable. Ça peut vraiment être sur tout et n'importe quoi, hein, bien entendu. Mais sinon, des vidéos de discussion, enfin, quand je dis discussion, des vidéos où je vous parle d'un sujet, hein, comme je vous ai dit, j'en ferai peut-être. Après, faut que je vois si je préfère m'exprimer à l'écrit ou à l'oral. C'est à peu près ça, hein, le... Et donc, si c'est à l'écrit, c'est sur mon site. Enfin, bon, bref. Voilà, donc je me répète, je me répète. Bon, c'est quand qu'on commence? On est 12, hein, je crois, non? Non, peut-être pas. Si. C'est un peu long, quand même. C'est dommage. Sinon, ouais, alors pour le guide sur les blocs de commande, il y aura peut-être encore d'autres épisodes, hein, il est pas forcément fini le guide, hein. De toute façon, il sera jamais vraiment fini, parce que je peux toujours trouver des idées, et puis les versions successives peuvent apporter des nouvelles fonctionnalités. D'ailleurs, en plus de présenter des commandes, je pourrais aussi présenter des systèmes que j'aurais personnellement élaborés. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas d'idée, hein, à ce sujet. Donc ça, c'était pour le guide sur le bloc de commande. La série Blocaria. Une série qui a beaucoup de succès, hein. La série Blocaria, pour rappel, c'est une carte qui... Une carte qui, en gros, implémente Terraria sur Minecraft. J'ai fait 3 épisodes dessus. J'ai été particulièrement emmerdé par la latence. La latence qui était à mon avis due au snapshot de la 1.8. Mais comme maintenant la 1.8 est sortie, je pourrais reprendre, hein, la série Blocaria, mais je n'en ai pas la motivation. D'autant plus que comme vous l'avez, pour ceux qui ont suivi, vous l'avez vu, j'ai perdu tout mon inventaire à cause d'un bug de chargement. Donc ça m'a un peu énervé, c'est le mot. Alors maintenant, est-ce que je la reprendrai en me donnant éventuellement des choses? Je verrai, mais pour l'instant, je ne compte pas la reprendre tout de suite. Hein. La série Blocaria, et merde, elle... Vite. Ouf, oh putain, j'y étais presque. Bon, allez, alors est-ce qu'on s'en refait un ou on essaye un autre jeu pour finir? Alors, on va s'en refaire un dernier. Enfin, un dernier ou un avant-dernier, je sais pas, mais... Allez, non. Allez, on va aller sur celui-là. Ça devrait aller assez vite. On est déjà 16. Donc ça, c'est pour la série sur Blocaria. La série Skygrid. Alors, je n'avais jamais officiellement annoncé de fin, hein, cette série Skygrid. Bon, alors maintenant, je ne suis encore une fois, je suis pas vraiment motivé dans l'immédiat. Puis finalement, j'aurais peut-être plus intérêt, si je voulais reprendre Skygrid, à recommencer une nouvelle partie, plutôt qu'à reprendre la partie en cours qui date de, enfin. Il y a 4 mois, et où en plus, bon, tous les coffres avaient été vidés. Si je reprends Skygrid, à mon avis, ce sera carrément sur une nouvelle partie. Hein. Ça réglera les problèmes. Et ce sera en 1.8, évidemment. Bon, sinon, d'autres... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme série? Même si je suis pas très concentré. Je sais plus.
Qu'est-ce que j'avais fait comme série encore? Bon. Je sais plus, hein. Comme ça au moins, c'est réglé. Ouais, donc Skyrid, voilà, si je reprends, ce sera sûrement sur une nouvelle carte. Enfin, sur une nouvelle partie. Blockaria, bah voilà, hein, je l'ai dit, hein. Non, c'est pas la bonne. Blockaria, peut-être. Mais pas sûr. Voilà. Et non, c'est pas la bonne, hein. Si, si, c'est bon. C'est avec l'ombre que ça me trouble. Oula. Donc Lime, je sais même plus ce que j'avais fait comme série. Bon, allez, Pixel, IVMC, OCTC, tout ça, les serveurs de jeu, bon, ça c'est... Quand j'ai envie, hein, ou quand j'ai besoin de vous... Enfin, quand j'ai envie de faire une vidéo quelconque. Je sais même plus ce qu'il y a d'autre. J'aurais peut-être dû regarder avant. Merde. Bon bah voilà, on va en rester là, je pense. Bah, ça va faire une vidéo d'une heure bientôt. Alors est-ce qu'on pourrait conclure sur un autre jeu? Il m'intrigue le Hide and Seek. On va regarder ce que c'est. Oh ouais, bon ça on verra plus tard je pense parce qu'il y a une histoire d'équipe et tout donc ça risque d'être assez long. Je vais plutôt aller sur un... Je vais peut-être faire un tour sur OCTC tiens. Pour voir un peu. Alors... Ah oui, il y a aussi le serveur Sama Games de notre cher ami... Enfin de... d'Aurélien Sama, mais je crois qu'il est fermé en ce moment, hein, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, on va aller sur... J'aimerais bien que ça charge, voilà. Ouais, fermé, c'est bien ce que je disais. Donc, tiens, Mineplex, où il y a des jeux d'Halloween. Ouais, mais est-ce qu'on a le temps? Bon. Casino, tiens, ouais, ça peut être sympa aussi. Ouais, il faut que je vérifie, tiens, pour la... Non, IVMC, c'était bien play.ivmc.com, hein. Donc je n'avais pas dit de bêtises à ce sujet, hein, pour le serveur IVMC. Bon, on va peut-être aller sur Mineplex. Alors, Mineplex, c'est vraiment un gros, gros serveur. Ah oui, d'accord, déjà les titres, c'est sympa. Et les jeux... Ouf. Oui d'accord, c'est... ah oui. Au moins ici on est accueilli, on est plutôt bien accueilli. Ah puis il y a les trucs d'Halloween aussi. Alors je sais... Block Hunt c'est quoi? Je sais pas, j'ai jamais dû jouer ici. Ok bon, il y a des petits problèmes. Hein. Ah. Ah non c'est bon. Ouais non ça va être compliqué, je verrai ça plus tard. Ouais, on verra ça plus tard. En parlant de cookies, tiens, parce que j'ai vu le mot cookie sur ouais. Le jeu Cookie Clicker, je pensais jouer en vidéo dessus, mais est-ce que c'est vraiment. Ouais, pourquoi pas, je pourrais toujours en faire quelques vidéos dessus, sur Cookie Clicker. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est un jeu en ligne. Bon. Est-ce que je ferai des vidéos dessus, je sais pas. Ouais, puis pareil pour... oui, sinon pour les vidéos de Plus belle la vie... encore une fois, hein, je ne vais pas changer de politique.
Enfin bon, je vais pas changer de politique, putain. J'arrête pas de chercher mes mots, il est temps que j'arrête. Donc je ne vais pas changer de politique. Je pourrais faire éventuellement des vidéos pour parler de ce qui se passe dans Plus belle la vie. Uniquement si le besoin de s'exprimer oralement se présente. C'est-à-dire, bon, si... Enfin, si j'ai matière à m'exprimer oralement dessus, oui. Je pourrais faire des vidéos parlant de Plus belle la vie. Ça a déjà été le cas une fois, bon... D'ailleurs, la vidéo avait eu pas mal de succès. Bah voilà, c'est à voir. Sinon, d'autres séries, je ne sais plus ce qu'il y a exactement. Je vais retourner sur la page d'accueil parce que là, il y a du bruit. Donc, bah voilà. Je pense que je vais mettre fin à cette vidéo. Elle aura duré 1 heure et je commence à tourner un peu en rond. Donc, je vous retrouve hein, à une prochaine fois. Je ne sais pas du tout sur quelle vidéo, sur quel thème. Mais, on verra bien. On verra bien, hein, comme je dis à chaque fois. Donc voilà, c'est pas... De toute façon, la chaîne hein, n'est pas... n'a pas pour but de proposer du contenu régulier. Je pense que c'est quand même suffisamment clair maintenant. Et puis donc, de toute façon, je donne les informations sur Twitter. Puis donc, voilà, hein, je vous mettrai donc un lien dans la description. Voilà, j'arrive même plus à parler. Donc, je vous dis à plus tard, hein, et dans une prochaine vidéo.